Que signifie la radio pour vous ? La radio, pour moi, signifie pouvoir apporter la parole, le verbe, le plus loin possible. Je réfléchis beaucoup à cela, justement, dans la formation que nous essayons d'amener pour justement qu'elle soit le plus inclusive, même dans la ruralité. C'est pour ça que je travaille avec une Fab Lab qui est à Abobo, dans un quartier d'Abidjan, qui est connu pour son grand banditisme, qui a une mauvaise réputation, et qui font justement de l'inclusion sociale en accueillant les enfants, en les formant à l'éducation, au code, à la programmation. Aujourd'hui, en 2 ans, ils ont formé plus de 100 jeunes qui viennent les mercredis, les week-ends, dès qu'ils peuvent. Et certains ont créé des programmes, des jeux. Ils ont créé, ils ont innové, ils ont acquis des compétences qui demain vont pouvoir leur servir pour l'employabilité. Et l'objectif, c'est de pouvoir reproduire ce modèle partout. C'est de pouvoir donner la parole à ces personnes-là et montrer l'intelligence et l'innovation qui existent.